Une cinquantaine d'artisans et artisanes du secteur des activités de coiffure, tresse et d'esthétique de la région de l'Accara renforcent leur capacité sur les nouvelles techniques de coupe de cheveux. Cet atelier de formation est initié par la Chambre régionale des métiers de l'Accara. Aujourd'hui, quand on regarde dans la nature, la lecture qu'on porte sur une personne, c'est sa beauté. Alors, nous nous sommes dit que nos artisans qui sont dans ce domaine ont besoin de rentrer en profondeur et s'acquérir de certaines connaissances pour pouvoir grandir dans leurs prestations. Outre les techniques de coupe des cheveux, les participants sont également outillés sur la décoration, les nœuds, les lieux de fête et sur la gestion des agères. On va les former aussi sur le make-up élite, c'est quoi? C'est les nouvelles technologies pour embellir une femme pour le mariage ou l'anniversaire. Nous allons aussi les former sur la fabrication des produits, les pommades, pour traiter les cheveux, les shampoings et balsams. Assurée par l'Institut de beauté d'Iolis, cette formation a reçu l'appui financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, FNAFPP. Ce dossier de demande de subvention soumis par la Chambre régionale de métiers au FNAFPP au profit des coiffeurs, coiffeuses, esthéticiens et esthéticiennes a eu l'appui du comité de gestion juste en raison des objectifs spécifiques très pertinents qui y sont définis. Donc, il est important pour le FNAPP d'accompagner ses artisans et de mettre en œuvre la politique du gouvernement. La rencontre des CARA est placée sous le thème « Les techniques de make-up élite », une nouvelle technique de fabrication des produits de cheveux et l'hygiène dans la pratique de la coiffure, dans le respect des normes et sur les notions élémentaires de gestion des AGR.